Et que 18 loups, c'est peut-être pas grand-chose, et que l'extinction d'une espèce, c'est toujours dommage. C'est pas et que dommage, statistiquement, c'est gravissime. je ne sais pas s'il y a eu un incident recensé de mort humaine attaquée par un loup, mais. Il n'y en a pas. Je l'entends, mais. Il y a des bergers, pas des bergers pour qui c'est l'enfer. Moi, je vis sur une ville où il y a 70%, c'est des espaces naturels. Si demain, j'apprends qu'il y a une meute de loups qui se balade dans la forêt, là où vont jouer mes enfants, très sincèrement, je. Ils n'attaquent pas d'humains. Les loups n'attaquent pas d'humains. Non, mais Barbara. Il y a des bergers, y compris en Italie. Non, tu écoutes certains bergers, mais il y a des bergers en Italie. Les bergers en Allemagne, ils n'ont aucun problème avec les loups parce qu'ils ont mis en place toute une série de mesures. Les loups leur obéissent, c'est la voie allemande. Non, mais il y a les loups en Allemagne. Alors, ils sont entrés dans Paris d'ailleurs à une époque, les mêmes. C'est les loups de plaine, c'est pas la même chose que les loups de montagne. Mais je suis désolée, moi je peux te présenter. Pourquoi a fait cet appel la présidente? Je peux te présenter des bergers qui n'ont aucun problème avec les loups. Pourquoi la. Alors, s'il y a aucun problème. Mais c'est l'ami des lobbies. Des loups. Mais bien sûr qu'on avait besoin d'introduire les loups. On avait besoin d'emmerder les bergers, on avait besoin d'emmerder les agriculteurs. Parce que c'est vrai qu'en ville, vous vous rendez compte que ceux qui sont pour le loup, c'est les gens comme toi qui vivent en ville, qui ne sont pas emmerdés par les loups. Vous vous rendez compte que vous validez le fait d'avoir arrêté le fusil d'avoir parlé. Si on peut te répondre, il n'y a pas que le fric. Parce que tu dis avec une légèreté extrême, oh mais l'Europe les paie beaucoup quand ils ont des brebis décimées. Mais tu crois que ça fait plaisir à un éleveur d'avoir son troupeau entier décimé. Et parfois, là pour le coup, laisse-moi tu finir pas pour une toi. Fois, et parfois plusieurs fois dans l'année, parce qu'à la différence de le loup prélève, mais il prélève régulièrement, si tu veux. Donc à un moment, quand même, il faut peut-être que dans certaines zones régulées où les loups attaquent beaucoup, il faut juste permettre quand même qu'il puisse y avoir une réponse qui est autre que celle de perdre à chaque fois des éléments de son troupeau. Chez des gens qui sont, je te le rappelle, qui ne roulent pas sur l'or, loin de là. C'est déjà le cas. Et qui font plus d'heures dans la semaine que tu n'en feras jamais. Tout à fait. Donc il faut quand même rappeler ça. Alors je vais te.